وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Concernant le cours d'aujourd'hui, il est dans la suite logique, chronologiquement parlant, des cours précédents. Effectivement, les 10 grands signes de l'heure annoncent le début de l'heure. Les 10 grands signes de l'heure que nous avions cités dans le hadith de Hudayfah ibn al-Usayd al-Ghifari annoncent l'heure du jugement en lui-même. Donc, c'est la fin, mais en fait, c'est un début. C'est le début de la vie éternelle. Alors, pour ceci, les savants disent qu'il arrivera un jour où Al-Hayy al-Qayyum, Tabaraka wa Ta'ala, fera disparaître toute vie sur terre. Il ne restera rien. Puis ensuite, et là nous allons rentrer dans les détails de tous ces événements aujourd'hui, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Après ceci, Allah tabaraka wa ta'ala les fera revivre et il les jugera au regard de ce qu'ils auront accompli dans cette vie-là comme œuvre bonne ou mauvaise. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala à cet effet, Kullu man 'aliha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Toute chose sur elle, c'est-à-dire sur terre, doit mourir, doit périr, doit s'éteindre, et il ne restera que la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse, tabaraka wa ta'ala. Et aussi, Allah dit tabaraka wa ta'ala, dans le même sens, kullun halikun illa wajha, c'est-à-dire, tout doit périr, sauf sa face, tabaraka wa ta'ala. Alors, le moment où Allah tabaraka wa ta'ala ressuscitera les serviteurs, il les fera comparaître devant lui, les jugera, puis les fera rentrer au paradis en enfer. Et le serviteur, ce jour-là, rencontrera des choses horribles, terrifiantes, qu'il n'a pas l'habitude de voir. Et nul ne sera sauvé de ce jour-là, sauf celui qui aura réussi à s'y préparer. Alors, quelles sont les preuves? Avant de rentrer dans les détails, Inch'Allah, j'ai voulu faire une mise au point concernant la croyance des gens de la Sunna sur le jour dernier. Alors cette croyance-là au jour dernier, elle est corroborée par le Coran et par la Sunna. Et lorsqu'on parle de résurrection, el-ba'thu, c'est la résurrection, il faut savoir, en fait, il faut comprendre que c'est le retour de l'âme dans son corps après que celui-ci ait disparu ou a été, anéanti. Et lorsqu'on parle de nashr, qui est aussi un terme qui revient assez souvent dans le Coran et qui souvent est traduit par aussi résurrection, nashr, on parle plus de déploiement. Quelque chose qui se déploie, quelque chose qui ressort et qui se déploie. Effectivement, les gens, les hommes, les êtres humains sortiront de la terre et se déploieront comme nous allons l'expliquer aujourd'hui, tabaraka wa ta'ala. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors, quand est-ce que le début de cette résurrection va être effectif? Au moment où Allah, tabaraka wa ta'ala, ordonnera à l'ange Israfil de souffler dans la trompe. Effectivement, Israfil est un ange rapproché d'Allah tabaraka wa ta'ala qui a pour fonction principale de souffler dans la trompe afin de terrasser et de foudroyer tous ceux qui se trouvent sur terre à ce moment-là. Puisque Allah tabaraka wa ta'ala, ça c'est une règle universelle, Allah tabaraka wa ta'ala en a décidé ainsi, c'est que toute âme doit mourir. Donc, pour ne pas déroger à cette règle qu'Allah tabaraka wa ta'ala a établie, toutes les personnes qui se trouveront encore sur terre parmi les plus mauvaises des créatures, comme nous l'avions vu la semaine dernière, où le prophète avait dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'heure du jugement ne se lèvera que sur les pires des créatures. La takumu sa'atu illa ala shirali al-khalqi. Alors, Israfil aura pour fonction de souffler dans cette trompe, aussi grande que les cieux et la terre. Et lorsque les gens présents, vivants, entendront ce cri effroyable, ils tomberont foudroyés après avoir été apeurés et horrifiés. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que les gens seront effrayés, horrifiés. Horrifiés de quoi? Du bruit qu'ils entendront, de ce son qu'ils entendront. Quelque chose qui leur prendra toutes leurs oreilles, tout leur corps. À la suite de cette peur intense qu'ils subiront, qu'ils y éprouveront en eux, ils tomberont à la suite foudroyés.
Et Allah dit tabaraka wa ta'ala à cet effet, wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyam yanzurun. C'est-à-dire, et on soufflera dans la trompe et tout ce qui se trouve dans les cieux et dans la terre périra foudroyé. Sauf celui qu'Allah aura voulu épargner. Puis on soufflera une deuxième fois et les voilà debout en train de regarder. Donc il est important de comprendre que parmi la croyance des gens de la Sunna, c'est qu'il y a une vie d'ici-bas, il y aura une vie dans l'au-delà, qui sera marqué notamment par, ou son début sera marqué par le souffle dans la trompe d'Israfil alayhi salam. Et aussi Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran à de nombreux endroits nous montre que les gens sortiront de la terre comme une plante sort de la terre. Et ceci est facile pour Allah tabaraka wa ta'ala, puisque Allah dit jalla wa ala fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli al-thamarat kadhalika nukhriju al-mauta la'allakum tadhakkarun. C'est-à-dire, puis nous faisons descendre l'eau sur cette terre et nous y faisons sortir toutes sortes de fruits. C'est ainsi que nous ressortirons les morts. Non. Afin que vous vous rappeliez. Et Allah dit aussi, tabaraka wa ta'ala, kadhalika al-nushur. C'est ainsi que vous serez ressuscités. Donc Allah tabaraka wa ta'ala donnera corps aux âmes, sauf les prophètes. Les prophètes, leur âme et leur corps ont été préservés, contrairement aux autres créatures dont les corps ont été dépéris. Les prophètes, eux, leurs corps ont été préservés au regard de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Inna Allah harrama ala al-ardi an ta'kula min ajasadi al-anbiya ». Inna Allah harrama 'ala al-ardi an ta'kula min ajsad al-anbiya. Allah a interdit à la terre de manger, de ronger le corps des prophètes. C'est un hadith authentique rapporté par Ibn Majah, authentifié par Cheikh Al-Albani d'après la version de Shaddad ibn Aus. Là. Quant aux autres, bien sûr, ils seront ressuscités à partir d'un os qui se trouve dans chacun d'entre nous, qui s'appelle Ajbud Zanab. En fait, c'est le bout du coccyx. À partir de cet os-là, qui lui ne périt pas, qui lui ne disparaît pas dans le temps, contrairement aux autres os, celui-là, à partir de celui-là, Allah ressuscitera le corps de chacun. Et ceci est corroboré par un hadith du prophète où il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Kullu bni Adam ya'kulu, ou ta'kulu l'ard, illa Ajbud Zanab. C'est-à-dire, la terre mangera tous les fils d'Adam, sauf Ajbud Zanab, cet os-là, à partir duquel il sera recréé et il sera recomposé. Là, où il a été créé à partir de celui-là et il sera recomposé à partir de celui-là. Donc la croyance au jour du jugement est quelque chose qui est fondamental. Et toute personne qui ne croit pas au jour du jugement, à la résurrection des corps, à cette vie nouvelle, et effectivement elle est nouvelle car même dans notre constitution nous ne serons pas pareils, celui-là est un mécréant bien sûr. La croyance au jour dernier est un des piliers de la foi. Et tout pilier de la foi qui n'est pas respecté ou qui est mis en marge fait de la personne qui se réclame de l'islam, à un mécréant, à part entière. Salam ata wal afia. Les gens qui renient le jour du jugement sont de trois sortes. Il y a les athées, al-mulhidoun, de manière générale, qui d'ailleurs eux-mêmes renient aussi l'existence du Créateur. Nier l'existence du Créateur, par voie de conséquence, t'amène à renier le jour du jugement. Puisque le jour du jugement est une conséquence, ou la foi au jour du jugement est une conséquence de la foi en Allah tabaraka wa ta'ala.
C'est pour ceci que vous retrouvez souvent dans le Coran où Allah tabaraka wa ta'ala interpelle les croyants en leur disant In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Il y a souvent cette corrélation entre ces deux grands piliers de la foi, la croyance en Allah et la croyance au jour dernier, pour plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est que la croyance au jour dernier est une conséquence de notre foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Hein, puisque Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé de toutes ces choses-là que personne n'a vu, personne n'a entendu, si ce n'est un groupe de gens qu'on peut compter sur les doigts de la main. Hein, à l'échelle humaine, bien sûr, ce sont les prophètes et les messagers. Sinon, personne n'est revenu du jour du jugement pour nous informer de ce qui en était. Alors, il est important de croire au jour du jugement. Et justement, ces athées-là n'y croient pas, car en amont de ceci, ils ne croient pas au Seigneur. Donc, on a, parmi ces catégories de gens, ce qu'on appelle les At-Taba'i'iyoun. Comment le traduire en français ? C'est ceux qui disent que la nature a été créée par la nature, ou la nature vient de la nature. Il n'y a pas de créateur, en fait. La théorie de Darwin, les darwinistes aussi, et à notre époque, les communistes, qui ont vraiment propagé cette école de pensée. La deuxième catégorie de gens qui renient le jour dernier sont certaines catégories de personnes, comme ceux qui ont vécu à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les Arabes, hein, qui reconnaissaient Allah, tabaraka wa ta'ala, comme créateur, mais pour la plupart d'entre eux, ne reconnaissaient pas le jour dernier. D'ailleurs, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il hiya illa asatirul awwali. Ce ne sont que des contes d'anciens, tout ça. Ce ne sont que des histoires, des mythes, des choses racontées de génération en génération. Et enfin, il y a la troisième catégorie de gens qu'on peut classifier, ou qu'on peut rentrer aussi dans ceux qui renient le jour dernier. Ce sont ceux qui y croient, mais d'une manière erronée ou déficiente. Rentrent dans cette catégorie les juifs et les chrétiens, entre autres. Là, certains croient que ce ne sont que les âmes qui seront ressuscitées et non les corps. D'autres croient qu'au paradis, mais pas en enfer. D'autres croient qu'il y aura une résurrection, mais ne croient pas ni au paradis ni à l'enfer. Bref, toutes sortes de croyances que l'on retrouve chez eux et chez d'autres courants de pensée. Quant aux musulmans, bien sûr, alhamdoulilah, ils croient en la résurrection, au paradis et en enfer, et ils croient à la résurrection des corps et des âmes. Très important de comprendre ça, Inch'Allah. Les preuves maintenant. Bien sûr, les textes religieux affluent et abondent dans ce sens-là, dans le fait de prouver, ou nous montrant que tout ceci est bien vrai et véridique, et nous sommes tous concernés par la foi au jour dernier. Puisque nous serons tous confrontés devant Allah tabaraka wa ta'ala et devant répondre de nos actes. Alors, Allah tabaraka wa ta'ala a, dans le Coran al-Karim, nous a parlé du jour dernier et a varié la manière de le présenter, afin que ceci s'incruste dans les cœurs et que ceci soit plus parlant pour nous. Donc il n'y a pas un discours monotone qui se répète. Mais il y a plusieurs façons, Allah tabaraka wa ta'ala utilise plusieurs façons de présenter le jour du jugement. On va en voir quelques-unes, inshallah tabaraka wa ta'ala. Premièrement, Allah nous parle du jour du jugement et nous prouve par là même sa réalité en affirmant l'avènement de ce jour par des syntaxes précises dans la langue arabe. Comme par exemple, Allah dit tabaraka wa ta'ala innama tu'aduna la'atin. Innama tu'aduna la'atin. Certes, ce qui vous est promis, la'atin, va certes venir. Le certes ici, il vient de l'arabe le lam, lam tawkid. C'est une manière de présenter les choses. Ou alors, Allah jure que ce jour-là va arriver. Comme Allah dit tabaraka wa ta'ala, la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fi. La ilaha illallah, ou Allah point de divinité à part lui, certes, il vous rassemblera le jour du jugement, point de doute là-dessus. Donc Allah jure sur sa propre divinité tabaraka wa ta'ala. Aussi, en ordonnant à son envoyé de jurer sur ça. Comme Allah dit tabaraka wa ta'ala, Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu, qul bala wa rabbi la tub'athunna, thumma la tunabba'unna bima amiltum, wa dhalika 'ala Allahi yasir. C'est-à-dire, les mécréants prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités, dis-leur, mais bien sûr que oui,
Wa Rabbi, par mon Seigneur, vous serez ressuscité. Donc Allah ordonne au prophète de jurer sur l'avènement du jour du jugement. Aussi, une des manières de présenter la chose et de prouver l'avènement du jour dernier, c'est en réprouvant les négateurs. Et Allah dit à Baraka wa Ta'ala à cet effet, قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Certes, ceux qui démentent la rencontre d'Allah sont les perdants et ne sont pas sur la guidée. Et je vous ai ramené à 5e, mais il y en a beaucoup plus, en vantant les croyants. Allah prouve l'avènement du jour dernier en vantant ceux qui y croient. Allah dit à Baraka wa Ta'ala, الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Tout ce Coran là, avec ses informations et ses lois, tout ceci nous y croyons. Et voilà comment Allah a décrit les gens enracinés dans la science. Non, ils ne tergiversent pas sur les versets, ils ne prennent pas ce qui les intéresse, mais ils prennent tout ce Coran en bloc et ils disent كل من عند ربنا آمنا به كل من عند ربنا. Et aussi Allah tabaraka wa ta'ala dit Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Allah décrit les muttaqun, les gens pieux, et la première caractéristique qu'il leur donne justement, c'est ceux qui croient en l'invisible. الذين يؤمنون بالغيب. La première caractéristique qu'il leur donne. Tout ceci pour montrer que Allah a vanté les gens qui croient au jour dernier. Et ceci, bien sûr, est une preuve de son avènement. Voilà une toute introduction à notre cours, Inch'Allah. Maintenant, pour revenir à notre sujet, pour reprendre la chronologie des événements, Allah tabaraka wa ta'ala a cité le jour du jugement sous plusieurs dénominations dans le Coran. Il y a près de 20, plus d'une vingtaine. Une vingtaine de dénominations qui renvoient toutes à la même chose, c'est-à-dire à ce jour dans lequel comparaîtra devant Allah l'ensemble des créatures. Imaginez-vous, plus de 20 noms. Alors je les ai répertoriés, Inch'Allah. Et on va essayer de citer les versets coraniques correspondant à chaque dans la mesure du possible. Alors le premier, la première dénomination, c'est Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, c'est une dénomination que vous retrouvez dans le Coran pour justement nommer ce grand jour. Et Allah dit à cet effet, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et nous les rassemblerons le jour de l'Qiyamah. Pourquoi on l'a appelé ainsi? C'est un masdar. C'est-à-dire c'est un nom qui découle du verbe قَامَ يَقُومُ, qui veut dire se lever ou se tenir debout. Et effectivement, les gens ce jour-là se tiendront debout devant Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne seront pas assis ni couchés, ils seront debout. Et ils devront répondre de leurs actes devant leur Seigneur. Pourquoi alors ce ta? Puisque le ta ici de Qiyama ne fait pas partie du masdar, c'est-à-dire du nom qui dérive du verbe. Normalement, on aurait dû dire Qiyam, Qiyam. Le ta ici, en arabe, il signifie al-mubalara, c'est-à-dire l'exagération dans la chose, ou dans le sens que ce mot dégage. Alors, mes frères, donc c'est un jour où les gens seront debout. Et ils seront exclusivement debout. Et très longtemps. La deuxième dénomination, Al-Yawmul Akhir. Le jour dernier. C'est-à-dire le jour duquel il n'y aura plus d'autres jours. Puisque ce jour-là, Allah fera mourir la mort. Imaginez-vous. Allah fera mourir la mort. Donc, plus de mort après ce jour-là. Donc, plus de jours après ce jour-là. Et Allah dit, tabaraka wa ta'ala, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. Mais la bonté consiste en croire en Allah et au jour dernier. La troisième dénomination que l'on retrouve, c'est As-Sa'a, l'heure. Et Allah dit à cet effet, وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةَ. Et certes, l'heure va venir. Sa'a, certains savants ont expliqué. Mais pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a appelé l'heure du jugement ou a appelé le jour dernier As-Sa'a comme pour montrer un instant fatidique. Ça, c'est comme pour avertir les gens qu'ils devront à un moment précis se présenter devant leur Seigneur. Quatrièmement, Yawmul Ba'th, le jour de la résurrection.
Et Allah dit à cet effet, فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ. Et voici, ou alors ceci est le jour de la résurrection. Aussi nous avons Yawmul Khuruj, le jour de la sortie. Nous reviendrons à ce verset, Inch'Allah, un peu plus tard. Aussi, Al-Qari'a. Vous connaissez tous la sourate Al-Qari'a? Wa ma adraka ma Al-Qari'a? Al-Qari'a aussi renvoie au jour du jugement. Pourquoi elle s'appelle ainsi? On l'appelle le Fraka. Li'annaha takra'u Al-Kuloub. C'est-à-dire qu'elle fracasse les cœurs à cause des horreurs qu'elle contient. Al-Qari'a, titre d'avertissement. Aussi, Yawmul Fasl, le jour du discernement. Yawmul Fasl. Et Allah dit à cet effet, Hada Yawmul Fasl. Et aussi, Yawmul Din. Ceci nous le retrouvons dans le Fatiha. Maliki Yawmiddin, le jour des comptes, le jour de la rétribution. Aussi, As-Sakha wa Tammatul Kubra. As-Sakhatu, c'est un cri qui te rend sourd. Naam, tu perds l'ouïe en l'entendant. Et Ikrima a dit que As-Sakhatu, ça sera le premier souffle dans la trompe, alors que Tammatul Kubra, ça sera le deuxième. Comme nous allons le voir, Inch'Allah. Yawmul Hasra, le jour de la grande perte. Et Allah dit à cet effet, Tabaraka wa ta'ala, wa andirhum yawmal hasrati. Et avertis-le du jour de la grande perte. Le jour où chacun regrettera ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Là. Nous verrons ceci en détail plus tard, Inch'Allah. Aussi, Al-Rashia. Là. Celle qui couvre. Qui couvre quoi? Elle couvre justement tous les gens. Par quoi? Par ses horreurs et ses atrocités. Aussi, Yawmul Khuloud, le jour de l'éternité. Allah a appelé le jour du jugement le jour de l'éternité. Yawmul Hisab, Al-Waqi'a, Yawmul Wa'id, Yawmul Azifa, Yawmul Jam, Al-Haqqa, Yawmul Talaq, Yawmut Tanad wa Yawmut Tahabun. Pour ne citer que cela. Non, les frères. Bien sûr, je ne veux pas trop vous fatiguer avec ça. On a beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, tous ces noms-là renvoient à des sens qui peuvent influencer la personne qui prend la peine de méditer sur ces sens. Alors, le souffle dans la trompe, Allah dit Tabaraka wa Ta'ala. Et on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et sur la terre seront foudroyés. Ça, c'est le verset numéro 68 de la sourate numéro 39. Zuma. C'est un souffle terrible et destructeur. Il viendra subitement, de sorte que l'homme n'aura pas le temps de faire un testament ou de retourner chez lui. Dès que ce souffle va arriver, dès que ce souffle dans la trompe va arriver, personne n'aura le temps de finir ce qu'il avait entrepris de faire. Il n'aura même pas le temps de faire un testament. Il n'aura même pas le temps de retourner chez lui. Allah dit tabaraka wa ta'ala. Ma yandhuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissimun. Fala yastati'una tawsiyatan wa la ila ahlihim yarji'un. C'est-à-dire, ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira alors qu'ils seront en train de disputer. Ils ne pourront ni faire de testament ni retourner chez leur famille. Ce cri-là ne leur laissera pas le temps de finir ce sur quoi ils s'étaient engagés. Salam salam ata wal afia. La trompe, hada al-qarn ou hada al-sour, le terme qu'ils utilisent dans le Coran, c'est sour. Le prophète a utilisé aussi un autre mot qu'on appelle al-qarn. C'est un bourg en fait, une espèce de trompe qui est aussi vaste que les cieux et la terre. Et justement, lorsque ce bédouin a posé la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que le sourd? Et le prophète a répondu, le sourd est une trompe dans laquelle on souffle. Ça, c'est authentifié par Cheikh al-Bari et d'après le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Là. Qui soufflera? Nous avons répondu à cette question, c'est Israfil alayhi salam qui sera chargé de souffler dans la trompe. Et écoutez bien ce hadith que je vais vous citer. C'est un hadith qui a été rapporté par Al-Hakim et autres et qui a été authentifié par Cheikh al-Bari. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam,
le clignement de l'œil de celui qui soufflera, c'est-à-dire Israfil, depuis qu'il fut chargé de ceci, de souffler dans la trompe, ne s'est pas fermé. C'est-à-dire que Israfil, dès le moment où il était ordonné de souffler dans la trompe, n'a pas cligné l'œil. Pour quelle raison ? Le prophète nous explique, sallallahu alayhi wa sallam. Il regarde vers le trône sans relâche. Et là, le prophète ici nous explique pourquoi il n'a pas cligné de l'œil. De peur d'être ordonné de souffler dans la trompe avant ou pendant son clignement de l'œil. C'est-à-dire qu'il retarde l'ordre, ne serait-ce que le clignement de l'œil. Donc pour éviter ceci, il a gardé ses yeux ouverts. L'œil fixé vers le trône d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en attendant scrupuleusement l'ordre d'Allah. Là. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ses deux yeux sont comparables à deux astres brillants. Là. Et plus l'heure se rapproche, et plus Israfil est au zaguet, ou est prêt à ce pourquoi Allah l'a chargé, tabaraka wa ta'ala. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, كَيْفَ أَنْعَمْ وَقَدْ إِلْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنَرِ. Le prophète a dit, comment pourrais-je me réjouir alors que celui qui est chargé de souffler dans la trompe a déjà commencé à le mettre en position pour souffler dedans. Ce qui annonce l'heure imminente. وَحَنَا جَبْهَتَ. C'est-à-dire, il a commencé à baisser son front. وَأَسْرَا سَمْعَهُ. Et à tendre l'oreille attentivement. وَيَنْتَذِرُ أَنْ يُؤْمَرَ et il attend l'ordre de souffler pour qu'il souffle. Faqala al-muslimun ya rasulullah kayfa naqulu yawma id qulu hasbunallah wa ni'mal wakeel tawakkalna ala allah rabbina. Alors les musulmans croyants ont dit, que dirons-nous ce jour-là? Et le prophète a dit, dites, Allah nous suffit et il est le meilleur des garants, et dites, nous plaçons notre confiance en Allah, notre Seigneur. Israfil, lorsqu'il soufflera ce premier souffle, ceci sera un vendredi. Comme ceci a été prouvé par la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam muslim d'après la version de Abi Huraira. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Khayru yawmin tala'at alayhi shamsu yawmul jumu'ah. » Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé, c'est le jour du vendredi. فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه أدخل في الجنة وفيه أخرج منها وفيه ينفخ في الصور. نعم. Le prophète a dit, ce jour-là, c'est le jour où fut créé Adam, le jour où il fut rentré, où il fut introduit au paradis, le jour où il en fut sorti, le jour où on soufflera dans la trompe. Vendredi. وَلَا تَكُمُ السَّاعَةُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. Et l'heure du jugement ne se lèvera pas que le jour du vendredi. Combien de souffles il y aura? Alors les savants ont divergé, combien de souffles Israfil soufflera dans la trompe. Il y a trois avis sur la question. Le premier groupe de savants dit qu'il y aura deux souffles. Un souffle qui foudroiera l'ensemble des créatures, et le deuxième qui les fera sortir. Ça, c'est un avis. Deuxième avis, un souffle qui effraiera l'ensemble des créatures, puis le deuxième qui les foudroiera, et le troisième qui les fera sortir. Et enfin, il y a un quatrième avis. C'est un avis qui est un petit peu long à expliquer. C'est l'avis d'Ibn Hazm, mais c'est un avis qui est faible, donc je vous épargne ce qu'il a dit. Alors, deux souffles. Ça, c'est l'avis de l'imam al-Qurtubi, ibn Hajar, entre autres. Et c'est aussi l'avis de Cheikh Al-Saïbin, à notre époque. Il dit qu'il y aura deux souffles seulement. Un souffle où Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il ordonnera Israfil de souffler dans la trompe, il soufflera, les gens seront foudroyés, et cet effroi provoquera quoi? Leur mort. Direct, instantané. Ils seront foudroyés dans l'instant. Donc ça fait un souffle. Le deuxième, c'est bien sûr lorsqu'ils seront ressuscités. Nafratul Ba'th. Le deuxième avis, c'est l'avis de Ibn al-Arabi, al-Maliki, Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, Ibn al-Safarini, entre autres.
disent qu'il y aura trois souffles, d'afratul faza, d'afratul sa'q, ou d'afratul barf. Un souffle qui effraiera les gens, puis le deuxième qui les tuera, foudroiera, et le troisième qui les ressuscitera. Le deuxième avis là, de trois souffles, il s'appuie sur un hadith qui est faible. Un hadith rapporté par l'imam al-Tabari, qui est faible au regard de sa chaîne de transmission. Ce qui est authentique à Wallah ou à Alem, c'est qu'il n'y aura que deux souffles seulement. Et pour preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, notamment dans celui que je vais vous citer, a dit « Ma bayna al-nafkhatayni arba'un » Entre les deux souffles, il y aura 40. Entre les deux souffles. « Qalu ya Aba Harira arba'un yawman qala abayt » قالوا أربعون شهرا قال أبيت قال أربعون سنة قال أبيت C'est-à-dire, ils lui diront, lorsque le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, entre les deux souffles, il y aura 40. Alors, ceux qui ont entendu ce hadith de Abi Huraira, qui est en train de le narrer, ont dit, Ya Abi Huraira, 40 jours, il dit, je refuse de me prononcer. 40 mois, je refuse de me prononcer. 40 ans, je refuse de me prononcer. Non. Donc 40. On s'arrête là, Inch'Allah. À la Kulihal, il y aura deux souffles dans la trompe. Wallahu a'lam. Quoi qu'il en soit, que ce soit deux souffles ou trois souffles, c'est une divergence chez les savants qui n'est pas préjudiciable si on prend un avis ou l'autre. D'accord ? Ce n'est pas, ça ne fait pas partie des fondements de la religion de connaître ces choses-là. Regardez bien le verset coranique. Allah dit tabaraka wa ta'ala. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء إلا ما شاء الله. Puis on soufflera dans la trompe et sera foudroyé de tout ce qui se trouve dans les cieux et la terre, sauf ce qu'Allah aura voulu, entre parenthèses, épargner. Alors les savants se sont posé la question, qui sera épargné justement de ce foudroiement? Certains ont dit, sont les anges. D'autres ont dit, comme l'imam Ahmed, seront les habitants du paradis, comme El Hurul Ain, Wal Wildan, les enfants du paradis, les Huri aux grands yeux. Aussi ceux qui se trouvent dans l'enfer, comme les serpents et les scorpions. Ce sont des créatures destinées à l'éternité, ils ne sont pas concernés par ce verset coranique. D'autres ont dit, c'est Moussa, car Moussa a déjà subi un sa'ar. Lorsqu'il a demandé à voir Allah, tabaraka wa ta'ala, il est tombé foudroyé. Bref, les paroles des savants sont multiples à ce sujet, mais au final, il n'y a pas de preuve claire et nette où l'on peut statuer qu'une catégorie de créatures sont concernées par ceux qui seront épargnés. C'est pour ceci que Cheikh d'Islam a dit, je vous ai ramené la parole de Cheikh d'Islam Ibn Taymiyyah, les savants ont divergé. Il convient de ne pas polémiquer sur ceci. Surtout que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a douté et ne savait pas de manière certaine si Moussa faisait partie des épargnés ou alors il a subi justement le foudroiement comme les autres. Regardez, écoutez bien ce hadith. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « La tukhayyiruni ala Moussa, fa inna nasa yus'akuna fa akunu awwala man yafiq. فَإِذَا مُوسَى بَاطِشُ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ فِي مَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنْ إِسْتَثْنَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. C'est-à-dire, ne me donnez pas la préférence sur Moussa, car les gens seront tous foudroyés. Et je serai le premier qui me réveillera, hein, qui reprendra conscience. Alors qu'à ce moment-là, je verrai Moussa tenant le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala sur le côté, et je ne sais pas si il s'est réveillé et il faisait partie de ceux qui ont été foudroyés ou alors de ceux qu'Allah a exemptés ou a épargnés. Donc le prophète lui-même avoue qu'il ne sait pas si Moussa fait partie de telle catégorie ou de telle catégorie. Au regard de ceci, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a dit que il ne convient pas aussi de polémiquer sur ces choses-là. Et on s'arrête où s'est arrêté le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Allahu a'lam. N'aam les frères ? Alors il dit, je continue sa parole et je la termine, si le prophète n'a pas été informé
de tous ceux épargnés par le foudroiement et il ne nous est pas possible de trancher sur la question. Ceci est comparable à la science relative à l'avènement de l'heure, le nom des prophètes en détail et d'autres choses dont Allah ne nous a pas informés. Effectivement, est-ce que Allah nous a informé du nom de chaque prophète, du nom de chaque prophète Afwan et de l'endroit où ils ont vécu et combien de temps ils ont vécu? Non. Hein? Donc ça ne nous est pas demandé non plus d'aller chercher ces choses-là. Ça n'a aucun intérêt pour notre foi. Ça n'a pas une influence directe sur notre foi. Cette science n'est acquise, la science de toutes ces choses-là, qui relève de l'invisible au final, n'est acquise que par l'information véridique. Allah est plus savant. Voilà la parole de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, fi majmou' al-fatawa. Là, mes croix. Donc, Israfil va souffler une première fois et tout le monde tombera foudroyé. C'est-à-dire qu'il va arriver un moment où il n'y aura plus rien, plus aucun bruit, plus aucun mouvement. Un immobilisme total. Tout le monde sera mort. Aucun son ne se fera entendre. Personne ne sera vivant. Tout sera immobile. Et il ne restera que le roi et le maître de l'univers. Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah dira à ce moment-là, lorsque tout le monde périra et qu'il ne restera que lui, tabaraka wa ta'ala, il dira, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et je vous rapporte la parole du prophète, dans laquelle il y a la parole d'Allah, jalla wa ala, le prophète a dit, يَتْوِ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ثم يطوي الله الأراضين بشماله ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah pliera les cieux de sa main droite et dira à ce moment-là, lorsqu'il n'y aura plus personne, tout le monde sera mort, Allah dira, je suis le roi absolu, al-malik, où sont les tyrans et où sont ceux qui s'enflent d'orgueil sur terre. Puis Allah pliera la terre de sa main gauche et réitérera cette phrase en disant, je suis le roi, où sont les tyrans, al-jabbaroun, et où sont ceux qui s'enflent d'orgueil sur terre. Ça, c'est la matière al-afir. À ce moment-là, on soufflera une deuxième fois dans la trompe. Puis on appellera les gens à sortir de leur tombe. En fait, ce n'est pas tout de suite. Ou plutôt, on soufflera dans la trompe une deuxième fois. Puis, effectivement, les gens entendront dans leur tombe quelqu'un qui appellera. Al-Munadi. Que tout le monde entendra. Donc, ce deuxième souffle dans la trompe, il viendra pour redonner vie à chaque personne. Quand ils seront encore dans la terre, pas encore sortis, là, un appeleur va crier. Que tout le monde entendra. Et il appellera les gens à venir comparaître devant le Seigneur des mondes. Tabaraka wa ta'ala. Et Allah dira, tabaraka wa ta'ala, Istami' yawma yunadi al-munadi min makanin qarib yawma yasma'una as-sayhata bil-haqq dhalika yawmul khuruj. Écoute, le jour où l'appelleur appellera d'un endroit proche, le jour où ils entendront ce cri, en toute vérité, voici le jour où ils sortiront. Sortiront d'où? De la terre, de leur tombe. Et Allah dit, tabaraka wa ta'ala, Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir, yawma tashakkakul ardu anhum sira'an, dhalika hashrun alayna yasir. Certes, nous faisons revivre où nous donnons la vie et la mort, et c'est vers nous que sera le retour, le jour où la terre se fendra. Ça qui est important à comprendre ici, la terre va se fendre, et ils sortiront rapidement, et sachez que le rassemblement pour nous est quelque chose de facile. Rassembler les hommes et les djinns, et les bestiaux, comme on va le voir, quelque chose de facile pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc la terre va se fissurer et les gens vont sortir. Et c'est pour ça tout à l'heure que je vous ai fait une petite allusion
en disant que les gens sortiront de la terre comme une plante sort de la terre. C'est-à-dire que la plante, quand elle sort de la terre s'ouvre. Elle s'ouvre et la plante sort. Sort et s'élève. Hein? Elle est droite sur sa tige et elle s'élève. Elle fissure la terre. Les gens sortiront de cette manière-là. Là, c'est une belle image qu'Allah a donnée, tabaraka wa ta'ala, afin de rationaliser les choses pour nos esprits. Alors, lorsqu'ils vont sortir, ils vont sortir de leur tombe, couverts de poussière, les cheveux ébouriffés, nus, incirconcis, pieds nus, comme Allah les a créés une première fois. Ils s'achemineront tous vers la terre du rassemblement, remplie d'humiliation. Et à ce moment-là, on n'entendra que des murmures. Personne ne parlera. Et on entendra aussi le bruit des pas, le bruit de leurs pas, dans le fait qu'ils s'acheminent vers leur Seigneur. Et Allah dit à cet effet, tabaraka wa ta'ala, يَوْمَيْدِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَاشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا. Ce jour-là, ils suivront un da'i, c'est-à-dire l'appeleur, qui sera un ange. L'appeleur, la iwajala, ils iront dans la direction qu'on leur dira d'aller, sans tortuosité. Et les voix vont s'abaisser. Wa khasha'atil aswat li rahman. Les voix vont s'abaisser et s'humilier devant le tout miséricordieux tabarak wa ta'ala. Et on n'entendra ce jour-là que le hams. Et c'est pour ça que je vous l'ai traduit par deux sens différents, car Hems, il a deux sens différents. Soit c'est le bruit des pas, lorsqu'ils s'achemineront vers la terre du rassemblement, ou alors c'est les murmures. Mais c'est même pas des murmures. Il n'y aura aucun son qui sortira de leur bouche. C'est juste quoi? La vibration de leurs lèvres. Non. Comme l'a dit Cheikh Abdurrahman Ibn Sa'di, le bruit de leurs pas ou le battement de leurs lèvres. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. C'est-à-dire, et les gens vont s'humilier, se rabaisser devant الْحَيُّ الْقَيُّومِ, qui est Allah tabaraka wa ta'ala, le vivant, celui qui subsiste par lui-même et dont chaque créature a besoin de lui pour subsister. Jalla wa ala. Sera perdant celui qui aura commis ce jour-là une iniquité. Effectivement, ils seront incirconcis, nus, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاتًا عُرَاتًا غُرْلًا أي غير مختونين ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Vous serez rassemblés nus ou nu-pieds, nus et incirconcis. Puis le prophète a lu le verset suivant. Comme nous vous avons créé une première fois, c'est ainsi que nous vous ferons revenir. C'est-à-dire dans cet état-là, comme un enfant qui sort du ventre de sa mère. C'est une promesse qui nous incombe, et certes, nous la mettrons à exécution. Aïcha, radiallahu tabaraka wa ta'ala, s'est offusquée. Elle a dit, Ya Rasulallah, Ar-rijal wa nisa'u yanzuruna ba'duha ila ba'd, aw yanzuruna ba'duhum ila ba'din. Elle a dit, les hommes et les femmes nus se regardant les uns les autres. Elle dit, comment est-ce possible? فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد أن ينظر بعضهم إلى بعض. يا عائشة, la chose sera vraiment trop préoccupante pour que chacun pense à regarder autrui. Là, quand bien même c'est une femme. Et ceci on peut le concevoir très facilement. Vous voyez, quand les gens ils sont dans des catastrophes, vous voyez, des catastrophes naturelles de grande ampleur. Et lorsque les gens essayent de se sauver, ils ne regardent pas s'il y a une femme ou un homme à côté de lui. Là, la chose qui le préoccupe, c'est sa survie. Imaginez-vous ce jour-là. Un hadith authentique rapporté par le Bukhari wa Muslim. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna al-mayt yub'athu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Le mort sera ressuscité dans le vêtement dans lequel il est mort. Je vous ai rapporté ça ici, express, un hadith authentique, afin de faire la corrélation avec ce que je vous ai dit avant. Parce qu'en apparence, il y a une contradiction. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, les gens sortiront de leur tombe nus. Et là, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, la personne sera ressuscitée le jour du jugement
dans les vêtements dans lesquels il était mort. Alors comment corréler les deux hadiths qui sont tous deux des hadiths authentiques sallallahu alayhi wa sallam, et sachant que le prophète ne se contredit jamais dans la révélation. Alors pour expliquer ceci, l'imam al-Bayhaqi a cité trois façons de joindre les deux hadiths. Premièrement, lorsque la personne va sortir de la tombe avec ce vêtement-là, ce vêtement-là va s'user et au final il redeviendra nu. Ce qui vient corroborer le premier hadith et le deuxième bien sûr par la même. Deuxième hypothèse, c'est le fait de dire il sera vêtu de celui-ci après avoir été nu. C'est-à-dire il sortira de la tombe nu, puis lorsque Allah tabaraka wa ta'ala va décider d'habiller les croyants et les gens, alors il vêtira chacun dans le vêtement dans lequel il était mort. C'est une explication qui est plausible. Et enfin, la troisième explication, là, les savants vont loin, machallah. Ils ont fait tout le travail à notre place. On n'a même plus besoin de réfléchir sur les textes religieux. Ils ont dit, en fait, ici, le sens de vêtements, ce n'est pas les vêtements que nous connaissons. Ici, le vêtement, ce sont les actes des serviteurs. Puisque Allah dit, tabaraka wa ta'ala, وَلِبَاسُ تَقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Et le vêtement de la piété, voilà ce qui est meilleur pour vous. Et Allah dit, tabaraka wa ta'ala, وَثِيَابَكَ فَطَهِرٌ. Et ton vêtement purifie-le. C'est-à-dire, ta personne purifie-la du shirk. Donc Allah, tabaraka wa ta'ala, a employé le terme de vêtement pour signifier les actes du serviteur. Ta personne, tes actes purifient les afouan. Et tes actes purifient. Voilà trois explications qui sont, inshallah, plausibles. À la Kudhal, nous disons que le prophète ne se contredit pas, sallallahu alayhi wa sallam. Le premier à être, à se vêtir, ou qui sera vêtu, bien sûr, vous savez que c'est Ibrahim alayhi salam. Et ceci, au regard du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, inna awwal al-khalaq, yuksa yawm al-qiyamati Ibrahim al-Khalil. La première personne qui sera vêtue le jour du jugement sera Ibrahim alayhi salam. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari d'après la version de Abdullah ibn Abbas. Maintenant, on va essayer de décrire un petit peu qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, yuhsharu al-nas yawm al-qiyamati ala ardin bayda'a afra ka kursatin naqi. C'est-à-dire, les hommes ressusciteront le jour du jugement sur une terre d'un blanc tirant vers le rouge, d'un blanc rosé, on va dire. Comme un pain rond, comme ça, c'est un pain rond, sans mélange, c'est-à-dire avec une farine blanche, un blanche qui tire un petit peu vers le beige, on va dire, ou le rouge. Voilà comment sera la terre du rassemblement. Et Sa'd ibn Sa'd al-Sa'idi, rawi had al-hadith, lui qui a rapporté ce hadith, a dit: on n'y trouvera sur cette terre aucun repère pour les gens. Aucun repère. Ceci est appuyé par quoi ? Par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui a dit, concernant la description de la terre du rassemblement. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَكُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Et il s'interroge au sujet des montagnes. Dit: mon Seigneur les dispersera comme la poussière et les laissera comme une plaine dénudée dans laquelle tu ne verras ni tortuosité et ni irrégularité. Amta, ça veut dire il n'y a pas de vallée ni de colline. Elle est plate, plate comme une eau stagnante. Voilà comment sera la terre du jugement. Et ceci renvoie la parole de Sa'd ibn Sa'd al-Sa'idi qui a dit: il n'y aura aucun repère pour les gens. Qu'est-ce qu'il veut signifier par repère? Un repère, c'est quoi? C'est une colline, une montagne. Là, lorsque les gens voyagent, ils disent: tiens, la montagne untel est à l'autre gauche, ou en direction du nord, donc on peut se diriger par rapport à elle. Là, il n'y aura plus aucun repère. Ni arbre, ni colline, ni vallée, ni oued, ni montagne, ni végétation, rien. Voilà comment sera la terre le jour du jugement. La terre est-elle une autre terre ou alors c'est la terre sur laquelle nous vivons? Voilà une question aussi sur laquelle ont divergé les savants. Akrima a dit que c'est une autre terre. La première sera pliée et on la remplacera par une autre. D'autres ont dit non, c'est la même terre sur laquelle nous vivons, mais elle sera transformée. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit: yawma tubaddalu al-ard. Le jour où la terre sera changée ainsi que les cieux.
Certains ont dit ça sera une autre terre. D'autres ont dit non, ça sera une terre, mais ce qui sera changé, ce seront ses caractéristiques. Là, on n'aura plus les mêmes repères, elle n'aura plus les mêmes composantes, la même description, la même réalité. Comment cette terre va changer ? Allah tabaraka wa ta'ala nous informe à travers de nombreux versets ce qui se passera lors de la transformation de cette terre en une autre. D'abord les montagnes et la terre. Allah dit tabaraka wa ta'ala فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةً وَاحِدًا وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدًا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Dit, puis quand d'un seul souffle on soufflera dans la trompe et que la terre et les montagnes seront soulevées, puis tassées d'un seul coup, et le jour de l'avènement alors se produira. Elles seront soulevées, non, mais ensuite tassées, écrasées, jusqu'à devenir du sable fin. Non, même plus que fin, comme de la laine cardée qui s'envole au vent. Car Allah dit tabaraka wa ta'ala que les montagnes deviendront comme du sable fin. Allah dit يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. C'est-à-dire le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme des dunes de sable prêtes à se disperser. Al-Mahil ici, c'est le terme qui nous importe ici. Mahil, c'est comme si vous savez dans un sablier, vous avez le sable qui coule. Là, il est tellement fin qu'il peut couler facilement. Et lorsque vous regardez au-dessus du sable, vous voyez que il ne tient pas en place parce que le bas, il est en dessous du sable, c'est pas immobile, ça bouge puisque ça coule. Au-dessus, on voit justement les effets du fait que en dessous le sable coule, ce qui prouve que le sable est très fin. Un sable épais ne produira pas cet effet. Donc les montagnes seront réduites comme ce sable fin, imaginez-vous. Une montagne solide. Imaginez-vous l'Everest. La montagne de l'Everest, la plus haute montagne du monde, réduite en poussière. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala aussi وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَغْرَى السَّحَابِ. Et tu verras les montagnes Janida, c'est-à-dire ancré et solide, ne bougeant pas, tu les verras ce jour-là passer comme passent les nuages. Non. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala concernant les montagnes qu'elles seront comme de la laine cardée. C'est quoi la laine cardée? La laine cardée, c'est une laine qu'on étire et à force de l'étirer, elle devient presque légère au vent. C'est-à-dire qu'un coup de vent et elle s'envole. Là, c'est ça la laine cardée. Les montagnes deviendront comme ça, imaginez-vous. Elles seront mises en marche. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala wa idha al-jibalu sujirat. Et Allah dit wa sujirat al-jibalu fakanat saraba. Les montagnes seront mises en marche comme un mirage. Wa idha al-jibalu dusifat. C'est-à-dire et que les montagnes seront pulvérisées. À ce moment-là. Et les gens verront tout ceci. Concernant les mers et les océans, Allah dit tabaraka wa ta'ala wa idha al-biharu fujjirat wa idha al-biharu sujjirat. Allah dit tabaraka wa ta'ala lorsque les mers se confondront. Fujjirat, ça veut dire se confondre. Ça veut dire aussi fujjirat, ça veut dire exploser. En fait, certains savants expliquent que, ça c'est certaines explications de savants, disent que l'atome d'hydrogène, hein, avec lequel on fait la bombe nucléaire, la bombe H qu'on appelle, ça la bombe hydrogène, à hydrogène. Hein. L'atome d'hydrogène, c'est un atome qui est simple, hein, c'est une structure qui est simple. Il faut savoir qu'il est beaucoup plus petit que l'atome de l'eau. Et lorsque l'atome d'hydrogène part en fusion, il provoque les dégâts que vous connaissez. La bombe atomique.
Certains disent que les mers, lorsqu'elles rentreront, elles se confondront, elles provoqueront comme cet effet de bombe, qui sera comme une bombe atomique, mais à multiplier 10 fois sa valeur pratiquement. Ensuite, ceci provoquera un feu, ce qui provoquera une explosion, bien sûr. Voilà pourquoi le deuxième verset qui vient, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, et que les mers s'allumeront, vient corroborer justement ce sens-là. Allahu a'lam bil sens, dans le sens qui est voulu. Mais en tout cas, certains savants expliquent comme ça. D'autres savants expliquent que فُجِّرَتْ, ça veut dire elles se confondront, c'est-à-dire que l'eau salée rencontrera l'eau douce, et que la jonction des deux provoquera une instabilité des mers, et elles s'allumeront au final. Quant au ciel, qui est de couleur bleue, sera aussi bouleversé. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala, يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا. مَوْرًا بِمَعْنَا تَمُورُ مَوْرًا أي تَتَّرِبُ التِّرَابًا وَتَدُورُ حَوْلَنَا. Le ciel tournera autour de nous et il sera dans un tourbillonnement constant. Il sera aussi agité. وَإِذَا السَّمَاءُ فَاتَرَتْ, quand le ciel rompera et se cassera. وَإِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ, et quand le ciel se déchirera. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, quand le ciel sera écorché et plié. Là, un ciel qui en apparence est parfait, dont Allah tabaraka wa ta'ala a élevé sa voûte. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا, il a élevé sa voûte et en même temps il l'a façonné de la meilleure des façons. Tabaraka wa ta'ala. Ce jour-là, il sera déchiré, écorché. Il changera de couleur, comme nous allons le voir, Inch'Allah. Et il tourbillonnera autour de nous. Tout ceci provoquera quoi? Sa fragilité. Et Allah dit, tabaraka wa ta'ala, après que ce ciel fut parfaitement construit et solide, il deviendra fragile. Et Allah dit, tabaraka wa ta'ala, وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَيْدٍ وَاهِيَ. Et le ciel se déchirera et il sera ce jour-là fragilisé. Fragile. وَاهِيَ. Et aussi, il changera de couleur. إِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Il changera de couleur. Certains disent qu'il deviendra rouge. قول الصحيح والله أعلم, c'est qu'il changera de couleur. Il passera du bleu au rouge, au vert, au jaune. Non. À cause de tous les changements qu'il subira. Les étoiles. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, lorsque le soleil s'obscurcira. Et en fait, l'obscurité du soleil sera en fait le fruit de sa fusion. Quand en fait, puisque le soleil c'est une étoile, donc il va se consumer en lui-même, ce qui lui fera perdre sa clarté. Non, c'est ça le sens de kawara. Kawara en arabe, c'est le fait de plier un vêtement sur un autre. Kawr thawb ba'dou ala ba'd. C'est-à-dire plier un vêtement sur un autre. On dit aussi kawr al-amama, c'est plier l'amama sur sa tête. Donc le soleil va se replier sur lui-même, ce qui lui fera perdre quoi? Sa clarté et sa lueur. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ, et lorsque la lune va s'éclipser aussi. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, lorsque les étoiles انْكَدَرَتْ, elles vont se disperser. Elles vont se disperser, c'est-à-dire que dans le ciel, elles sont actuellement constantes à nos yeux. Ce que vous voyez comme les constellations dans le ciel. Elles servent non seulement de guide pour le voyageur, elles servent à calculer pour ceux qui comptent et qui calculent les mois, les années. Et elles servent aussi à quoi? Elles servent à embellir le ciel. Ce jour-là, elles ne seront plus fixes dans le ciel. Elles, justement, elles se disperseront les unes des autres. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, c'est l'autre verset, elles deviendront ternes. C'est-à-dire qu'elles perdront leur lueur, elles descendront et elles changeront. تَغَيَّرَتْ لَعَمْ وَتَسَاقَتَتْ. Tout ça, c'est les tafsirs de nos pieux prédécesseurs.
Hein, je vous ai fait une synthèse. Pour tout ceci, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Man sagrahu an yandura ila yawmi al-qiyamah, fal yakra idha shamsu kuwirat, wa idha sama'un fatarat, wa idha sama'un shakpat. » Celui qui veut voir ce qui se passera le jour du jugement, qu'il lit ces trois sourates. Sourates 81, 82 et 84. « Al-takwir wal-infitar wal-inshiqaq. » Le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi et authentifié par Cheikh al-Albani, rahmallah tabarak wa ta'ala. Avec tous ces signes, les gens, bien sûr, seront horrifiés, de telle sorte que les chamelles, même les chamelles, elles seront négligées. C'est-à-dire les gens, ils ne se préoccuperont que de leurs propres âmes. Et Allah dit, tabarak wa ta'ala, « Wa idha al-ishar uttilat » Les chamelles qui sont prêtes à enfanter. C'est quelque chose que les Arabes avaient, ou sur lesquels les Arabes portaient de l'attention, puisque la chamelle qui va enfanter, justement, elle a beaucoup de valeur. Elle va enfanter. Là. Donc, ils prennent soin d'elle. Ce jour-là, elles seront négligées, mises en marge, au regard des horreurs qu'ils auront devant eux. Aussi, les bestiaux, comme nous avons dit, les bestiaux aussi seront ressuscités. Les gens, lorsqu'ils suivront l'appel de cet appeleur, de ce crieur, qui leur dira d'aller vers la terre du rassemblement, ils s'y rendront tête baissée, humiliée, avilie, nue, incirconcis, mais aussi les djinns aussi chemineront vers la terre du rassemblement, ainsi que les bestiaux. Non. Et Allah dit tabarak wa ta'ala à cet effet, et lorsque les bestiaux seront rassemblés, ils seront ressuscités aussi, effectivement, mais ils ne seront pas jugés comme les hommes et comme les djinns. Non. Voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. Non, c'est déjà pas mal. Et, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, la semaine prochaine, nous rentrerons dans la comparution devant Allah, tabarak wa ta'ala, l'attente du jugement. Puis nous traiterons, Inch'Allah, de le hadith de Shafa'at al-Uzma, c'est-à-dire le hadith de la grande intercession, qui viendra justement mettre fin à l'attente, cette attente interminable, non, fatigante. Non, les gens sont dans l'attente du jour du jugement et ils iront voir les prophètes successivement jusqu'à ce que le prophète Mohammed intercédera, non pas pour faciliter le jugement, mais pour le hâter, pour que les gens puissent sortir de cette attente interminable. Et ensuite, à partir de ce moment-là, El Hisab commencera. أن يحشرنا في زمرة الأنبياء والصالحين والشهداء والأتقياء بفضله وكرمه إنه الولي بذلك والقادر عليه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وقل رب زدني علما